نتائج احسن مشروع على مستوى اوروبي ونال جائزه المشروع هذا اناتوميك ار جائزه اوروبيه وان شاء الله باش نكرموه ونعمل زي ما بقول لي بري اوروبي اللي عندنا الكل وتفضلوا بحبنا ان شاء الله تفضلوا Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos señor ministro de la Educación. Yo me presento, soy Hamzin Mahjoub, soy tunisienne à Bibo en Grandelia. Me encanta leer libros y practicar el deporte. Hola, yo me llamo Hadoua Beji, soy alumna en el Instituto de Grandelia también. Tengo 18 años, me encanta mucho estar aquí con ustedes. Muy bien, vale, es una breve presentación en español. Si queréis, podemos terminar toda la presentación en español. No, 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 si podemos terminar en español, voy a conseguir. Donc, je vais planer, je vais te dire un peu en arabe aussi. Le projet de l'arrivée Anatomic Art, c'est qui est européen 2018, c'est le carrage de résultats en mars. 700 projets, معناها participants, ou احنا اخذينا le meilleur projet en espagnol que l'on. Voilà. معنا في نفس الريزلتات في لي بري اوروبيان اتمينينغ سري تتويج تونس مرتين ميور بروجي اون فرونسي مدام وافي اسبوعي من القروين قبل ما نقدم البروجي حبيت نحكي شويه على الاتمينينغ في حد ذاته الاتمينينغ سي دي نوفيل تكنولوجي اتمينينغ سي دي لونغ لا براتيك دي لونغ اتمينينغ سي لوفرتور سي لوتر سور لوتر كولتور Donc, l'étudier, c'est les compétences du 21e siècle. Donc, l'étudier, d'où même qu'on n'a pas encore fait le projet étudier. C'est un projet qui mérite et nous écoute, Maria, Maujoud, les établissements ont été à l'école. Alors, vraiment, qui va être à Saint-Louis, c'est un fait, mais le projet est déjà un à l'autre, les petits. Mais de dire, ok, Maria, les cibles acteurs, Maria, parf, bien acteurs, les établissements l'ont dit, ou il y a un carton sur le projet aidé. Le projet aidé, il m'a dit, là, ça va être l'aide, et nous, Maharatom, Hiwayetom, يميزوا انه باش ينجم يظهر المواهب اللي عنده، ينجم يظهر هوايته، ينجم ينفتح ويكتشف برشا حاجات عن على كولتور الاخرين، وينجم او ميم تون يدخل في منافسه مع لي زوروبيان ويحس بالثقه في النفس ومعناها ويتعرف على برشا حاجات، فوالا، كوم اونسينيون باغ اسبانيول كني حسيت روحي اللي انا شاك فوا باش نجم نوصل الدرس ونغرب تلامذتي بالماتيير اني يلزمني نستعمل لي نوفيل تكنولوجي بكل فاسون اللي هي وما ولاتش مسقطه هكاك معناها ولات حاجه بطبيعتها معناها موجوده في البروغرام اللي عندنا التريننج يخليك زاد تحس اللي فما ريكونيسونس على فوالا عن الدروس اللي نقراوها اي اكزاكتومون معناها لونسيون لهنا عنده دي بلاتفورم سواء اللي هي دي فورماسيون فيس تو فيس معناها اون ديريكت il y a des webinars, manière online, où je vais vous des certificats et aller étudier. Je vais aller à un autre projet. Juste une petite présentation et je vais céder la parole à mes élèves. L'objectif de notre projet est l'étude des parties anatomiques spécifiques du corona et leur relation avec les arts, littérature, musique, dessin, sculpture, etc. Donc, l'étude comme mélange de la science ou de l'art, ou de les langues. Voilà. Donc, c'est un projet interdisciplinaire qui présente un mélange original de la science, l'art, les langues et la culture. C'est un travail en groupe, nous maintenant fait en 5 groupes mixtes internationaux. Voilà. Les fondateurs, ce sont de la Tunisie, lycée Grandelia Neb, l'agence d'avenir, et de l'Espagne, Amaya Alonso Cabrera, avec 4 autres partenaires de l'Espagne et des locales. Voilà les partenaires, et je vais céder la parole à mes élèves. Donc, nos produits collaboratifs, ce sont les résultats de travail collaboratif avec les partenaires étrangers en groupe mixte et international. Donc, il y a deux types de produits, il y a en ligne et il y a réel. Donc, en ce qui concerne ce qui est en ligne, on a créé des musées virtuels par l'outil Emaze. C'est un outil de diaporama semblable à PowerPoint, mais il est plus original.
Donc, il est en ligne aussi. Donc, par suite, on a fait les calendriers culturels. Désolé. Donc, 12 différents arts pendant les 12 mois. Et puis, on a fait des vidéos de présentation avec l'Espagne et l'Ukraine. Et on a présenté le projet. Donc, à la suite, on a fait plusieurs publications en ligne, des présentations, des vidéos, un e-book. Et puis, on a fait les Twin Space du projet. C'est un espace réservé aux enseignants et aux élèves participant dans ce projet. Et chaque nouveau projet peut avoir un Twin Space projet. Et dans nos produits collaboratifs aussi, on a fait des créations artistiques réelles, on a créé du musée artistique réel, on a fait avec des pièces anatomiques créées par les élèves de droit pays et envoyées par courrier postal aux 5 établissements participants. Et ensuite, on a fait l'exposition par dose de dossiers et musées réels dans nos établissements à l'occasion de la journée internationale du musée qui est le 18 mai 2017. L'utilisation d'éthique a facilité la communication et la collaboration entre tous les partenaires malgré les distances géographiques et aussi a permis l'élaboration et la publication des produits collaboratifs. On a utilisé emails, les padlets. Le padlet c'est un mur virtuel en ligne qui facilite l'écriture en ligne. Donc l'Adobe Connect et les visioconférences. Les visioconférences étaient très divertissantes. On a utilisé Doodle, Forum Twin Space, Movie Maker, Survey Monkey, un site de sondage. Et on a utilisé Jomac. Ensuite, la chose la plus importante pour moi, qui est la communication entre les partenaires. On a communiqué par les visioconférences, sont très amusants et intéressants surtout. Et les forums et surtout le site Twin Space, il m'a donné l'opportunité de communiquer avec l'élève de l'Union européenne et de travailler en collaboration avec mes collègues aussi. Et bien sûr, s'ouvrir sur d'autres réalités et d'autres cultures. Très bien. Mm-hmm. Les compétences acquises, les compétences du 21e siècle. Le bon usage d'éthique. Compétences linguistiques, la pratique de la langue espagnole à l'écrit et à l'oral, c'est-à-dire qu'on a utilisé la langue espagnole d'une façon différente et innovante hors de l'enseignement pédagogique en classe. Compétences sociales, civiques et culturelles, la communication et la collaboration avec des partenaires d'autres cultures et pays, favoriser l'autonomie et la pensée critique. Et favoriser la créativité et la productivité, assumer de nouveaux rôles, leader, collaborateur, etc. dans le groupe mixte. Voilà, donc reconnaissance, finalement, la reconnaissance. On a gagné le prix européen 2018 de la langue espagnole et la belle qualité nationale européenne pour les enseignants et les élèves. Gracias por su atención, merci pour votre attention et merci pour votre encouragement. Merci beaucoup.